avait l'idée d'apporter de la musique dans la rue, en fait. Et on avait l'impression que ça ne s'était pas beaucoup fait. Il y a beaucoup de choses qui avaient été apportées dans la rue, des pochoirs, du graff, dans ce qu'on appelle de manière générale le street art. Et nous, on a voulu apporter de la musique dans la rue. Donc on a commencé par mettre des partitions avec des notes de musique. Donc si on savait lire, ça faisait un peu de musique. Et puis on est arrivé comme ça dans nos recherches et nos expérimentations sur les boîtes à musique, et là qui sont carrément interactives. Et... Karim Hamida et Jérôme Salnave, qui ne peuvent plus partager leur musique en concert depuis 2020, ont trouvé un nouveau moyen. Et aujourd'hui, le studio de musique de l'ISCPA a le droit à sa boîte à musique. On la pose en intérieur, cette boîte, parce qu'elle est spéciale. C'est une collaboration avec un artiste qui s'appelle Honnête. C'est pour l'anniversaire du grand pianiste Herbie Hancock. Et cette boîte-là, on ne la pose pas dans la rue. On la pose que en intérieur, dans des endroits qui sont des endroits importants pour nous. Dédiée à Herbie Hancock, cette boîte à musique est posée dans un lieu qui fait sens pour le compositeur. Il y a un nombre d'exemplaires qui est très limité et on l'a posé à l'ISCPA parce que ça vient illustrer et marquer notre rencontre ici. Ça vient illustrer aussi la bonne relation qu'on a eue avec eux. Quand j'ai proposé de construire un studio, il y a eu un engouement tout de suite et on a travaillé de concert et ça continue encore. On revient ici intervenir, on fait quelques enregistrements, c'est un lieu d'apprentissage aussi. Et toutes ces raisons ont fait qu'on voulait poser une de ces boîtes d'anniversaire pour Herbie Hancock. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. On voulait en poser une ici à l'ISCPA.